Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, encore et toujours. J'aime bien vous présenter des articles que les boutiques me proposent. Et ici, c'est avec la boutique GBFKE. Voilà, donc je vous ai déjà fait d'autres vidéos avec cette boutique. Aucun souci avec eux, donc c'est toujours très bien. J'ai reçu un bon 15 jours, mais on est dans les livraisons, on est toujours dans la bonne moyenne. Donc, ça va, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter du DP, de la Diamond Painting et de la broderie encore. Eh oui. Allez, on va commencer par le DP. Alors, le premier kit. Oh, la toile me paraît fine. C'est bizarre. Mais bon, elle n'a pas de souci. C'est une 30 couleurs. C'est un 30-40. Est-ce que j'ai remarqué les... J'ai pas marqué... Pour vous dire la taille réelle du dessin. 24... sur 35 environ, voilà. Alors ici ça va être un noir et blanc, on va dire, c'est des couleurs foncées. Je vais vous mettre l'image, hein, comme je fais d'habitude, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu avec. Alors d'abord un petit toolkit bien complet. Alors avec le... Non, je vais, pour une fois, je vais le sortir, puisqu'il est différent de ce qu'on reçoit d'habitude. Alors, le petit plateau comme ça, avec le bec verseur, je ne m'en sers pas quand je fais le DP, mais je m'en sers quand je dois remettre mes perles, par exemple, dans les petits pots. Ça, c'est bien pratique pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, ça c'est... J'ai reçu dedans un gros carré de colle, enfin de glue. Une pince, mais celle-là, c'est pas la meilleure, hein, malheureusement. Voilà, elle est trop souple. Mais bon, il y a une pince dedans. Et le stylet avec ses différents embouts. Alors, l'embout simple pour mettre une perle. Là, alors là, je crois que c'est gravé dessus, non? Non. Alors là, c'est un 6 perles. Et ici, ça doit être un 9. Ouais, 9 perles, 9 ou 10 perles, celui-là. Voilà. Et la petite mousse pour tenir avec vos doigts. Donc voilà pour le toolkit. Hop. Ensuite. Et bien avec ça, il y a les perles. Atchoum. Je vais faire atchoum. Aujourd'hui, ce sont des perles carrées. Alors, pour une fois, ce sont des perles carrées. Allez. Qui sont en sachet zippé. Donc ça, c'est bien. Parce que quand il vous reste des perles, ben, au moins, vous les remettez dedans et puis on n'en parle plus. Alors là, je me demande, j'ai une perle, je me demande si c'est pas une fluo, ça, il faut que je regarde. Hop, voilà. Alors là, est-ce que ça, c'est une fluo? Attendez, j'éteins pour le mettre dans le noir. Non, je suis pas assez dans le noir, mais je sais pas, on dirait que c'est de la fluo, ça, je sais pas. Ou alors c'est un vert très pâle. Je me mets dans le noir. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est du fluo, ça. Il faudrait que je me mette dans le noir complet pour regarder. Mais bon. Alors. Bah, je vais peut-être pas rallumer pour voir les couleurs. Donc, ça, c'est celle que je vous dis.
J'ai l'impression que c'est une phosphorescente. Mais sans être sûr à 50, à 100%, j'essaierai de vérifier. Ensuite, voilà. Donc là, on va voir beaucoup de bleu, de noir, de gris. Et on est dans toutes les couleurs bleues. J'ai mal à la tête. Je suis désolée, mais là, ouais, on voit mieux. Donc, du gris, du... Oh, il n'y a que ça en noir. Ah bah, voyez, c'est trompeur, hein. J'ai que ça en noir. Gris, un gris vert. Toujours du gris et encore du gris. Enfin, c'est un gris vert aussi, celui-là. Gris bleu foncé, gris bleu, gris vert. Vert canard. Bleu canard, on va dire. Voilà, un bleu marine. Du gris. Énormément de gris, mais c'est tout à fait normal, puisque vous allez voir, le dessin est en noir, un peu noir et blanc. Enfin, noir et gris. Je vous ai pas dit combien de couleurs j'avais ici. 30 couleurs, oui. Et on va vraiment dans tous les gris, là. On passe par toute la palette. Là, un blanc. Pas beaucoup. Et voilà. Donc ça, ce sont toutes les couleurs qu'il y aura dans ce kit. Et voilà donc le dessin. Un petit chat dans la nuit. D'ailleurs, il s'appelle sur le site. Oh mais ben, je ne l'ai pas marqué. C'est malin. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà. Mais je vais vous mettre la photo. Est-ce que même si je vous montre l'image là, vous n'allez pas voir grand-chose? Donc je vous remets la photo. Par contre, là, la toile me semble plus fine que d'habitude. Donc voilà pour le premier. Je vais ranger après. Le deuxième, 30-40 également, si je ne me trompe pas. Oui, 30-40 avec 25 couleurs. Là, le petit toolkit tout simple, hein, normal. Et ici, ce sont des perles rondes, toujours en sachet zippé. Pas les mélanger hein, parce que j'ai pas rangé les autres encore. Donc là encore des couleurs assez tendres, naturelles. Une petite palette de marron. Là, c'est du rosé, beige rosé. Voilà. Bon, qui a envie de m'embrasser? J'ai le nez qui gratte. J'ai chaud. Alors, sur chaque étiquette, là, vous avez le numéro, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez également dessus la référence DMC. Voilà. Et les grammes, si je me... Si je, ouais, je,
Oui, il y a les grammes également. Le nombre de perles que vous avez dedans, donc en grammes. Voilà. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Vivement l'hiver. Non, ne criez pas, ne criez pas parce que j'ai dit ça. Non, ma saison préférée, c'est l'automne. Ben, je suis née en automne, hein, donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà, pour les couleurs. Alors, attendez, cela, je vais vite les remettre dans le sachet parce que sinon, je vais tout me mélanger les petits pinceaux. Voilà. Alors, je disais donc, c'est un 30-40 avec 25 couleurs en perles rondes. Voilà. Et qui ira très bien dans une chambre d'enfant. Avec les petits nounours en peluche. Il est très mignon. Pour mettre dans les chambres d'enfant, il est trop bobo. Trop bobo. Voilà. Alors, hop, j'essaye de ranger un tout petit peu, tout au moins celui-là déjà, comme ça je ne me mélange pas. Donc voilà pour les DP. Et pour terminer, donc c'est une broderie et c'est une jet sandée. Encore, et oui. Mon cœur balance pour les jet sandées. Donc comme d'habitude, on a la pochette avec toutes les explications derrière. On a le livret. Et voilà le dessin. Un joli paon. Enfin, il y en a deux. Mais il y en a avec sa longue queue tout en plume. Et là, il y en a un petit. C'est un 41 sur 59. C'est un 14 CT. Donc, qui va se broder avec deux fils. Je n'en peux plus. Je vous jure que là, je n'en peux plus. Alors, petit livret. Donc, avec 6 grilles. C'est découpé en 6 grilles. Là, vous avez les. J'ai chaud, je ne peux plus. Les références DMC avec les symboles. Les symboles correspondent au livret. Je répète à chaque fois. Mais les symboles qui sont là correspondent aux grilles qui sont là. Et donc voilà. Des grilles très lisibles, très colorées, sans aucun sans problème particulier dessus. Et on va avoir. J'ai dit le nombre de couleurs, je ne sais plus. 31 couleurs. Alors, on a nos deux aiguilles là dans le petit paquet. Et donc, voilà. Ah, bah là, il y a un blanc. Hop. Et après, on a toutes les autres couleurs ici. Donc, beaucoup de vert. Vous voyez, beaucoup de vert, différents verts là. Tac, 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 tac. Des marrons. Le blanc, je vous l'ai montré. Et ici, ici, pardon. Alors, on a encore des marrons, il y a encore un peu de vert, il y a du beige, du bleu ciel. Voilà, un petit peu de rouge. Un peu de jaune, c'est un jaune verdâtre. Voilà. Donc, voilà pour les fils.
Et bien sûr, on a la toile qui est surfilée de chaque côté. Je suis dans le bon sens. Oui. Voilà. Donc, pas de... Alors, niveau confetti, est-ce qu'il y a du confetti? Non. Non, ça va. Il n'y a pas de confetti. Pas de gros changement de couleur à faire, donc c'est bien. Donc, voilà. Donc, je vous remontre. Voyez. Voilà, le dessin et la toile. Vous voyez, il n'y a pas de gros confettis là, pas de gros changement de couleur. Voilà. Donc c'est un 14 CT donc qui va se broder en deux fils. Je suis désolée hein, là, mais je meurs vraiment réellement de chaud et j'ai un peu la tête qui tourne. En plus que je fais des migraines ophtalmiques en ce moment, c'est un peu l'horreur ce temps. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens dont vous aurez besoin pour retrouver les kits que je viens de vous présenter, que ce soit en broderie ou en DP. Et le lien de la boutique, bien sûr. Voilà, de toute façon, tout ce que vous avez besoin de savoir sera en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien, si vous n'aimez pas, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis, ben, au passage, des petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça fait connaître la chaîne, c'est le principal. Et moi, maintenant, je vais me ranger tout ça pour pas me mélanger les pinceaux. Et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous!